Et salut tout le monde, c'est Red qui se retrouve aujourd'hui sur le jeu Mine Clicker, un jeu dans lequel nous allons devoir cliquer pour tuer les petits mobs qui se mettront juste là, dans le but de gagner de l'expérience que nous pourrons dépenser pour par exemple recruter ce petit bonhomme qui nous aidera à détruire les mobs automatiquement, pendant que nous par exemple on pourra éventuellement aller sur un petit bloc de dirt comme ça, histoire de récolter des matériaux qui nous permettront d'avoir des armes. Bref, vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons devoir farmer un maximum pour obtenir le plus de choses possible et pourquoi pas aller vaincre l'Under Dragon. Là par exemple il me faudrait 5 matériaux pour pourquoi pas acheter une main qui me permettra de casser un petit peu tout plus vite. Mais je pourrais aussi péter les meubles plus rapidement, je crois. Ah ouais, maintenant quand je tape je leur mets 2 d'un coup. Ah ouais, c'est quand même beaucoup plus efficace, ça me permet d'économiser quand même quelques clics. Ma souris, je viens de pas te casser aujourd'hui. Donc allez les amis, aujourd'hui on va on va essayer de recruter quelqu'un pour 25 d'expérience. Mais surtout on va tenter d'aller jusqu'à l'Ender Dragon. Et ça ne sera pas si simple car il va falloir faire des millions de clics. Mais vous inquiétez pas, je suis là pour ça, et mon autocliqueur est là pour ça. Bon, pour l'instant, j'ai pas d'autocliqueur, je le fais à la main. Et attendez, c'est quoi ça? Oh, pourquoi il y en a 2? Ah, c'est pour directement taper plus fort. Ah ouais, eux, ils ont 16 de vie, donc ils donnent peut-être plus. Ah non, pour l'instant, ils donnent autant d'expérience. Hein. Bon, écoutez, je vais taper sur mon 16 de vie. Hein. Je sais pas si ça change grand-chose, mais ça y est. On a la possibilité de recruter Hug. Et qui, regardez, tape tout seul, j'ai plus besoin de cliquer. Bon, par contre, il est pas très rapide, donc il va falloir recruter Omar après, etc. Donc allez, je laisse taper tranquillement tout seul. Moi, je vais m'occuper des blocs. Il faudrait que je puisse changer éventuellement, soit améliorer ma main ou débloquer l'épée en bois qui nous permettra bien évidemment de casser. Ah non, on pourra pas casser plus vite avec l'épée en bois, mais par contre on pourra tuer les mobs beaucoup plus rapidement. Donc c'est ce qu'on va faire. Allez, il me faut les 25 matériaux. Par contre, pour l'instant on a que du dirt. Ah non, attendez, on peut avoir... Oh, on peut avoir du sable. Ok, alors je sais pas comment ça se passe. Est-ce que le sable me donne plus? Apparemment pas, hein. Ça me donne autant, mais bon, pour l'instant en tout cas Hug est en train de bien bosser, hein, Hug là-bas. Et ça y est, on a débloqué donc un nouveau matériau. Il s'agit de la clé et on a surtout la possibilité d'acheter l'épée, les amis. Et là, à mon avis, on va pouvoir taper beaucoup plus rapidement. Ah ouais, attendez, encore... Combien je fais? Alors là, il y a l'autre qui descend. Moi, je crois que je fais 4. Hein. Oh, mais non, mais je fais trop de dégâts. On va se mettre tellement bien. Bon, allez, on va taper du mob tranquillement. On va essayer de recruter Omar. Ah, j'ai la possibilité d'augmenter Hug aussi. Hein. Bon, écoutez, on va recruter Omar. Comme ça, on sera 2. Ça sera pas mal. Enfin, on sera deux petits paysans à travailler là. Donc, pour 42 d'expérience, c'est parti. On débloque ça. Hop, voilà. Bienvenue, Omar. Et maintenant, nous avons Robert qui va pouvoir nous rejoindre. Qui semble être le Père Noël, apparemment. Bon, ok. Je vous laisse taper tranquillement. Moi, je vais aller taper du bloc un petit peu là parce que. Il faut avancer quand même. Il me faudrait surtout une petite pelle là. Oh, oh, regardez, quand j'aurai la pelle, j'aurai la possibilité de faire plus 8 sur les blocs. Ah ouais, c'est pas mal. Non, j'aimerais retourner sur mon bloc. Voilà. Alors si j'active l'autocliqueur, ça va plus vite ou pas? Ah ouais, l'autocliqueur est tellement efficace. Bon, il me faut 85 matériaux, donc il va falloir en péter pas mal. J'en gagne 2, hein. Je gagne 2 matériaux à chaque fois. Mais attendez, j'ai débloqué un nouveau bloc, les amis. Voilà, on est en train de monter graduellement. On est au niveau du gravier. Pour l'instant, on est très loin d'avoir les blocs de diamants, etc. qui nous permettront sûrement de gagner tellement d'argent. Et attention, nouveau bloc déverrouillé maintenant avec... Oh, c'est hyper long par contre. Attendez, mais là, sans autocliqueur, c'est... Oh là là. Ok, oh ouais. Attendez, mais j'active l'autocliqueur. Hein. C'est quand même beaucoup plus efficace. Hein. Hop là, si on veut aller le plus loin possible dans cette vidéo, ça m'a rapporté tellement de matériaux. Ok, je prends la petite pelle. Et maintenant... Ah ouais, c'est beaucoup plus rapide. Let's go. Bon, on se met bien, on se met bien. Bon, écoutez, on va aller voir un petit peu les mobs, histoire d'éventuellement en tuer quelques-uns là. Voilà, histoire d'avoir un peu plus d'expérience et pour pouvoir recruter. On va pouvoir recruter Robert. Voilà, on pourrait améliorer Hug. Vas-y, j'améliore Hug un petit peu, ça me fait plaisir. Donc là, à partir de quand on va pouvoir monter? Ah non, il faut cliquer là. Oh, c'est un boss. Ah, c'est un boss, c'est pas grand, faut se dépêcher à le tuer. Hein. Ah ouais, mais alors là, il faut cliquer super rapidement. Mais bon, ça va. En vrai, on avait 30 secondes. Regardez, même sans autocliqueur, j'y arrive. Hein. Bon, il faut cliquer quand même. Hein. Faut cliquer pas mal. Faut beaucoup cliquer, ça fait mal aux doigts. Ah oui, mais ça va. En vrai, ça passe. Allez, go to clicker de toute façon. Hop, on va éviter de casser ma souris aujourd'hui. On a un maximum d'expérience et ça y est, j'en ai assez pour débloquer Robert qui va faire plus 14. Ah ouais, c'est pas mal efficace. Hein. Ah, on retourne sur les moutons. Pourquoi? Ils sont beaucoup plus résistants, ceux-là. Et il faut que j'en tue 10 apparemment pour pouvoir passer à la suite. Donc on va faire ça. Et ensuite, on pourra débloquer Jesse qui m'aidera pour les blocs, lui. Hein. Ah oui, Omar, il l'aidait pour les blocs aussi. Hein. D'accord. Ah oui, parce que les blocs sont en train de se farmer aussi, hein, évidemment. Donc allez, on débloque de nouveaux mobs. Pour l'instant, je crois. Ah, il y a un petit loup là, apparemment. Ah oui, un squelette. Ouais, j'allais dire, il n'y avait pas de mob agressif, mais il y a le squelette quand même. Et ça y est, on a débloqué les suivants. On a maintenant le zombie, c'est parfait. Alors attendez, il me faudrait 720.
24 d'expérience. Ah ouais, mais c'est tellement long, mais ça va, les zombies ils rapportent pas mal. Donc go 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 go. Niveau matériaux, je suis pas mal aussi, hein. On va pouvoir aller acheter des trucs. Alors attendez, je vais retourner sur mes blocs tranquillement. Voilà. On va essayer de débloquer de nouveaux blocs. On va surtout pouvoir avoir une pioche, les amis, qui va nous permettre de faire tellement de dégâts. Une pioche en bois et qui va faire plus 21 sur les blocs et plus 21 sur les mobs. Donc franchement, ça vaut le coup. Ça y est, on est au 15e bloc et on débloque donc les nouveaux avec maintenant des planches. Alors j'ai la possibilité de débloquer, hop, petite pioche en bois et ensuite ça sera la hache en bois et je crois qu'on aura fait le tour. Ah non, il reste la petite faux, mais la faux je crois qu'on l'aura pas. Hein. Donc là il faut combien? 2944, c'est énormissime. Ok, on va retourner un petit peu sur les pigs là, hop là. Comme ça on va pouvoir très rapidement débloquer Jesse qui va taper tellement vite sur les blocs. Ah, et donc on débloque des nouveaux mobs apparemment. Oh, les araignées, on les avait toujours pas eu. Let's go, ça fait plaisir. Et ça y est, on peut avoir Jesse les amis qui... Oh là, ça tape tellement vite maintenant sur les blocs, c'est trop bien. Oh, le prochain c'est Peter, il coûte 4900, c'est énormissime. Bon, allez, on va taper du mob un petit peu, mais est-ce qu'il vaudrait mieux pas aller taper du bloc pour l'instant? Je sais pas trop. Ouais, allez, on va faire du bloc, il me faut des meilleures armes là. Donc voyons voir, au niveau des armes, on en était où? Il nous faut 2944 matériaux, donc allez, c'est parti. On va farmer tranquillement, on va monter à 2944, ce qui... Il faut péter pas mal de blocs quand même, hein, mais bon. De toute façon, on va en avoir de nouveau là, parce que les planches, voilà, on les détruit hyper rapidement avec le top picker, hein, quand même. Hop là, on s'attaque à ça maintenant. Hop, lockpick hop, qui nous permet de monter hyper vite maintenant. À chaque bloc, on gagne 150 à peu près. 150 matériaux, ce qui est énormissime. Allez, encore deux blocs et on va pouvoir l'avoir. Attention, c'est bon. La petite hache en bois. Plus 220 blocs et 220 mobs. Oh là, ça doit faire mal là. Ah ouais, regardez chaque clic. Oh, à quelle vitesse ça va. Sans autocliqueur, c'est ouf la vitesse qu'on a maintenant. Hein. Allez, hop, on va pouvoir découvrir un nouveau bloc maintenant. C'est parti. Hop là, 8. Et c'est ça, les nouvelles planches du coup. Bon, bah, tant qu'à faire, on va. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est la. Quoi? Pour passer à la stun, les amis, c'est 25 000 l'épée en stun. Par contre, ça va faire tellement de dégâts sur les mobs, c'est juste abusé. Mais alors là, il faut énormément casser de blocs, c'est juste abusé. Attendez, on passe maintenant au nouveau... comment ça s'appelle déjà, ça? C'est le boulot, voilà, c'est ça que je veux dire. Le boulot, on est au boulot. Ah oui, ça rapporte pas mal, le boulot, hein. 500 matériaux par bloc, ça met bien. On va très rapidement monter aux 25 000, les amis. Je débloque l'épée et après, on va taper du mob. Il va falloir se préparer parce que très bientôt on va avoir des wizards, sûrement des dragons, etc. Donc, bon, les dragons, c'est pas encore. Hein. Ça sera peut-être tout à l'heure, un petit peu plus loin dans la vidéo. En tout cas, on a un nouveau bloc. Il s'agit. Oh là 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 là. Ok. Ok. Là, c'est beaucoup plus dur. Hein. Ouais, et là, si je fais des simples clics. Regardez, chaque clic. Oh là, c'est hyper compliqué. Hein. Oh ouais, sans autocliqueur, ça serait méga méga long. Alors que là, on avance un peu plus vite, c'est cool. En tout cas, ça y est, ça m'a donné assez pour acheter l'épée en stone qui va faire tellement mal. Et ensuite, il nous faudra absolument la pelle en stone hein, qui va vraiment faire énormément de dégâts sur les blocs. Alors attendez, on retourne sur les petits mobs. On les détruit tranquillement, on leur fait tellement de dégâts maintenant en un seul coup, hein. Un seul clic, les amis, j'arrive à tuer les mobs. Allez, on débloque les nouveaux mobs du coup. Oh, les zombies villageois. Allez, j'ai sans autocliqueur là et je les détruis hyper rapidement en vrai. Hein. Donc allez, on passe à la suite maintenant. On est passé dans le biome désert avec des creepers. Bienvenue à vous les creepers. Donc alors, est-ce qu'on peut recruter là Peter? Peter, on l'avait pas encore. Ah ben voilà, on a Peter maintenant. Yes. Allez, on va essayer de recruter Cal du coup qui va faire des dégâts sur les blocs. Donc allez, on va faire pas mal de dégâts. On va changer pour passer à la suite. Tac, 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 tac. À chaque fois, il faut en tuer plus ou moins 10 hein, pour passer au prochain. Donc là, on a des nouveaux sûrement. Creeper, beaucoup de creepers, hein, beaucoup de mobs agressifs là maintenant. On n'y échappe plus. On n'y échappe plus. Hein. Par contre, regardez comment ils galèrent à péter les matériaux. Il va falloir que je les aide. Hein. Ils sont tellement lents, mes employés. Bon, allez. Hop, les creepers, les zombies, les spiders. Oh, il n'y a que des mobs agressifs. Ah non. Il y a une petite vache qui s'est glissée par là. Une deuxième. La sœur, sûrement. Le petit cochon aussi. Et on passe au niveau 15. Oh, c'est méga rare. C'est méga rare et c'est tellement dur à tuer. Oh là, c'est tellement dur. Allez, allez, allez. C'est bon, c'est réglé. Oh là là, il y en a un autre. Alors, attendez, j'ai eu assez d'argent pour débloquer. Donc, Cal qui va taper les blocs beaucoup plus rapidement, effectivement. Et ensuite, on aura Bob qui tapera les mobs hyper rapidement également. Bon, je pense qu'il va être temps d'aller taper du bloc. Hein. Bon, ça y est, ce boss, on l'a eu. On passe au mob suivant. Donc là, Spider, Spider toujours. Ah ouais, là je fais beaucoup moins de dégâts quand même, hein. Beaucoup moins, donc il est temps d'aller débloquer de nouvelles armes. Donc on retourne sur les blocs, oh, je suis en retard au niveau des blocs, je suis niveau 10, hein. Donc allez, il faut taper ça, il faut taper ça. Ah ouais, mais je suis pas efficace du tout les amis, il faudrait peut-être que j'améliore ma hache, hein. Ah, je sais pas, hein. 255, ouais, je suis obligé d'améliorer ma hache, hein, sinon ça va pas le faire. Hein. Pour monter à 250 000, ouais, faut que j'améliore ma hache, allez c'est parti, on l'améliore. Ah mais c'est que j'en ai plusieurs en fait, ah oui d'accord, c'est juste que j'en ai plusieurs et du coup c'est beaucoup plus efficace. Donc allez, je vais reprendre d'autres, voilà, j'en ai 15 maintenant, ah là.
là c'est plus efficace. Enfin quelques chaises intéressantes. Bon, il va falloir maintenant monter à 255 000 matériaux. J'en ai que 50 000. Ah, ça va mettre un peu de temps. Mais attendez, on va débloquer de nouveaux blocs. Ben voilà, parfait. Ça, ça doit rapporter pas mal. Oh là, combien ça donne? Ça donne 15 000 par bloc, plus ou moins. C'est juste oufissime. Donc allez les amis, l'appel en stone va être pour nous. Attention, attention, encore un bloc. Et bam! C'est parti, et là... Attendez, ah ouais, ok, en 5 coups j'arrive à les péter. Hein. En 5 coups, alors avec l'autocliqueur ça donne quoi? Ah bah oui, alors là ça va super vite. Hein. Et on débloque un nouveau bloc, le niveau 12 débloque avec plein de jungle. Et donc la prochaine arme, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est la pioche en... En stone aussi, en pierre, mais il faut énormément là par contre, il faut 3 millions quoi en gros. Donc là à mon avis il va falloir que j'améliore la stone, la petite pelle là, voilà, je vais améliorer la pelle à chaque fois, hein. Dès que je peux j'améliore la pelle. Ah, on a un nouveau bloc, log hook, ok. Hop, nouveau bloc encore, on est de retour sur les planches. Alors ils en sont où les autres là avec les mobs? Là, et est-ce que je peux recruter 426 000? Ok, il va nous falloir que... Il va falloir que je recrute quelqu'un là parce qu'ils sont en train de galérer. Donc allez, on va taper un petit peu de mobs. C'est parti, les amis. On tape tout ça. Il me faut 426 000. Hein. Donc allez, il va me falloir un nouveau mob. C'est bon, ils arrivent. C'est bon. Niveau 17, les zombies. Ok, pas de nouveau mob pour l'instant. Hein. Pas de méchants. Pas trop de méchants nouveaux, on va dire. Et en tout cas, on a la possibilité de recruter Bob. Bienvenue, Bob. Et alors lui, il va taper. Ah, ouais, il tape vite. Hein. Il tape vite, Bob. Hein. Mais je vais l'aider. Bon, en tout cas, oh ben ça y est, on a la petite pioche en diams que nous allons acheter tout de suite. Et alors là, ah ouais, d'accord. Je double shot les blocs, c'est juste abusé. Donc là, franchement, cette pioche, elle est juste incroyable. Et ça donne énormément. D'ailleurs, je vais en acheter une deuxième, parfait. Et ensuite, on aura du coup la hache à débloquer. Et après, on passera, les amis, à peut-être à de l'or, je pense. Ah non, du fer sûrement après la stone. Bon, faut qu'on aille tester cette petite pioche sur les mobs là. Oh là là, ok, c'est du one shot, les amis. C'est du one shot sur les mobs. Donc on va essayer de s'en faire un maximum. Et combien il me faut là pour... Ah, il me faut 5 millions pour recruter Jonathan, qui viendra nous aider juste après. Il fera 431 000 dégâts sur les blocs, c'est juste ouf. Et niveau 20 maintenant, nous avons un petit ours polaire que nous avons tué rapidement. Et nouveau biome maintenant, c'est parti. Et ça y est, on a la possibilité de recruter Jonathan, qui fait des dégâts sur les blocs. Ah mais pas beaucoup hein, ah, franchement on voit pas beaucoup de dégâts. Ah par contre regardez qui c'est qu'ils ont sorti. Ils ont sorti les Enderman. J'en ai vu un seul. Il est où? Ah non, il vient pas. Bon attendez, je vais changer de niveau, peut-être qu'il y en aura plus ici là. Ouah, ils sont beaucoup plus résistants hein, sur ce niveau là. Non, il n'y a plus d'Enderman en fait, ça y est. En fait il y en avait qu'un seul qui se baladait, puis je l'ai tué et les autres ils ont pas voulu venir hein. Ah ben voilà, c'est bon. Niveau 23 maintenant. Et ouais, c'est toujours le même mob pour l'instant, ça va. Il y a juste les Enderman qui vont arriver sûrement un peu plus. Allez, je vais pouvoir avoir du coup la petite hache. Et attention, on va découvrir les nouvelles. Ah, il manque encore un bloc et c'est bon, je l'ai. C'est parti. Et toujours plus. Maintenant je fais plus de 2 millions et on aura surtout du fer juste après. Ok. Oh. Ok, les blocs ça s'enchaîne bien là. Là ça s'enchaîne bien. Par contre j'ai toujours du bois, hein. J'ai toujours pas vu de minerai, etc. Enfin des bons minerais quoi. Par bah non, mais même le graphite c'est pas du minerai. Donc j'ai pas eu de minerai encore depuis le début. Ah, ça y est, il y a plus de bois. On est sur de la cobble les amis. On est sur du un petit peu plus dur que le bois pour le coup. Et on doit monter à 700 2 millions pour débloquer l'épée en argent. En fer, c'est chaud, hein. Ça va être chaud. Hein. Mais ça va le faire là parce qu'on va terminer la cobble. On aura peut-être de la stone après qui va sûrement nous rapporter beaucoup plus. Attention, 25 blocs, c'est bon. On part. Ah, c'est la stone effectivement. Et la stone elle nous rapporte combien? Mais c'est énorme, elle rapporte à peu près 20 millions par bloc, c'est trop bien. Alors là par contre quand je vais avoir l'épée en fer, ça va juste être abusé comment les mobs, je vais leur faire trop mal. Attention, nouvelle épée disponible, c'est parti. Et alors là les petits mobs, oh ouais je les one shot. Je les one shot, let's go. Bon bah on va se gaver, on va aller faire un maximum de mobs les amis. On est déjà au niveau 24 sur les mobs. On l'a très vite enchaîné les 10 là. Abusé. Alors attendez, on va regarder qui c'est que je peux engager après. 69 000, ok, on y est presque, ok. Oh, c'est un boss. Ben voilà, c'est bon, le boss est réussi les amis. Hop, et on est passé maintenant dans les caves. On se rapproche les amis, on se rapproche. On va aller chercher tout ce qu'il faut, des minerais, etc. Il y a du slime, des chauves-souris, des zombies, ok. Waouh, il y a plein de trucs intéressants. Et est-ce que j'ai assez? Oui, c'est bon, j'ai recruté Patrick. Je peux même recruter 2 Patrick, 3 Patrick, 4 Patrick, 5 Patrick qui vont aller taper du mob. Ah, mais ils m'aident à taper les mobs. Mais bon, franchement, j'avais pas besoin d'aide là. Franchement, ça va tellement vite. Ok, le slime, on passe au 28. Les creepers, spiders, zombie slime. Waouh, s'il y a du slime, ça veut dire qu'on est quand même pas mal en profondeur dans la cave, hein, franchement. Allez, on passe au niveau 29. On est en train d'enchaîner. Franchement, depuis que j'ai l'épée en fer là, c'est juste abusé. On passe maintenant au niveau 30. Attention, est-ce qu'il va y avoir un boss au niveau 30? Oh, la cave spider. Oh là là, il faut pas mal de coups là.
Oh là, ah ouais, sans autocliqueur, ça passerait, hein, mais ça serait chaud, hein. Mais bon, ça va, ça veut dire que là, je suis pas trop en retard. Hein. Je suis pas trop en retard par rapport à mes armes. Allez, autocliqueur qu'on termine. Hop, c'est terminé pour elle. On va aller maintenant niveau 31 et nous avons... une mineshaft. Et on a surtout la possibilité de débloquer Michael qui va faire... Oh, il fait tellement de dégâts sur les blocs, lui. Il avance bien, mais attendez, on va mettre la... les éponges. Trop bien. Ok, ok, on est passé sur les éponges au niveau des blocs. Michael fait pas mal de dégâts. Ensuite, on aura Giancarlo. Et au niveau des armes, il faut combien d'argent? Il faut... Ah, ok. 13 132 millions. C'est énorme pour avoir une pelle. Ah, il y a des magma cubes maintenant, attention. Et on passe au niveau 30. Alors, est-ce qu'il y a des nouveaux mobs maintenant? Oh, mais non, ils sont tellement résistants, là. Oh, c'est abusé. Il leur faut tellement de dégâts. Aïe, 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 aïe. Bon, là, par contre, on arrive sur des mobs qui sont à 16 000 millions de vies. C'est juste incroyable, mais c'est pas grave. On va bientôt avoir Giancarlo qui va faire beaucoup de dégâts sur eux. En tout cas, j'ai bien avancé, là, sur les blocs. Hein. Ça a bien bossé. Maintenant, on est passé sur de la sandstone normale qui est tellement longue. Oh là 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 là, il me faut une nouvelle arme. 13 millions. 13 000 millions. Ah, c'est chaud, hein. Bon, ok. Je vais terminer les mobs et après, je reviendrai peut-être pour l'arme. En attendant, on va taper du squelette, mais... Ah, c'est pareil, ils sont durs à tuer, hein. On a déjà la possibilité de débloquer Giancarlo. Ah, ouais, il fait pas mal de dégâts. Il va pas mal m'aider, lui, à détruire les mobs, quand même, hein. En tout cas, ça y est, on passe au suivant, au niveau 34, maintenant. Et allez, il faut que je retourne sur mes petits blocs, quand même. Oh, mais là, c'est abusé, c'est tellement long. Oh, c'est tellement long à péter les blocs de sandstone normal. Il faut en péter 30 pour passer au niveau suivant. C'est juste abusé. Voilà, les amis, les blocs sont devenus vraiment trop durs à péter. Malheureusement, ça ne va pas assez vite. Alors que les mobs, ça va. Donc, il vaut mieux que je me concentre sur les mobs. Que je recrute éventuellement Jake qui nous permettra. Mais il coûte 447 milliards. Ah, oui, d'accord. Bon, en tout cas, il pourra faire pas mal de dégâts sur les blocs. Donc, allez, on va taper du mob. Je ne vois que cette solution pour avancer pour l'instant. Donc, allez, on passe au niveau 35. Dès maintenant, avec un nouveau boss. Oh là là, je sais pas si je vais y arriver. Il est tellement lourd. Heureusement que j'ai l'autocliqueur, mais oh là là, non, j'arriverai pas à le battre. Il me faut beaucoup, beaucoup plus de dégâts quand même. Hein. Ah ouais, non, là, je vais perdre le combat. Je vais perdre le combat. Aïe, aïe, aïe. Premier combat perdu de cette vidéo. Attention, 3, 2, 1. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ah, qu'il est retourné à toute sa vie. Ah ouais, j'arrive pas à l'avoir. Ok, il faut absolument avancer sur les blocs. En fait, j'ai pas le choix. Hein. Mais c'est trop long. Je peux plus le faire maintenant. Hein. Voilà, j'ai recruté 2 Giancarlo de plus. Hop, voilà, j'en rachète un. J'ai plus d'argent. Mais est-ce que maintenant, on va être. Ah, ah, ça avance, hein. On va peut-être pouvoir le battre. Hein. Bon, mais ça va être chaud. Ah, ça me paraît compliqué encore. Hein. Ça me paraît... compliqué. Non, j'aurais pas, je l'aurais pas. Oh, ça va se jouer à tellement peu, c'est abusé. Oh là là. Ok, il me faut encore un Giancarlo, un seul, et on aura le temps. Aïe, 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 c'est perdu, ok. Allez, il faut que j'en recrute encore un. Allez, j'ai même jusqu'à en recruter 2, comme ça, on sera sûr, ou quasiment sûr. Ouais, parce que, j'étais pas sûr, donc allez, est-ce que j'ai de quoi en acheter 2? Oui, c'est bon, j'ai de quoi en acheter 2, c'est parti, on repart contre le boss, et là, c'est reparti, allez les gars, allez, allez. Oh, ça peut le faire, la vérité, hein. Oui, ça va le faire, c'est bon, il me reste 10 secondes. Et plus que 100 milliards de dégâts, ce qui est énorme. Mais ça va passer éventuellement. Oui, c'est bon, let's go. Nouveau boss, 20. On passe au 36. Oh là là, oh là, les araignées sont tellement puissantes ici. On va falloir avancer sur les blocs, hein. Donc je vais recruter du monde pour les blocs là. Il faut que ça avance plus vite les blocs, hein. Oh, ça y est, ça avance mieux là. En tout cas, j'aurai bientôt réussi les 30 blocs de sandstone. Mais surtout, on va pouvoir débloquer la pelle en fer qui va faire une grosse différence sur les blocs. On va pouvoir avancer un petit peu. En tout cas, ça y est, on peut passer maintenant à la stone diorite. Allez hop, je débloque la pelle et maintenant ça va aller plus vite. Ah, oh, ouais, enfin. Enfin, on va pouvoir accélérer les choses. Ok, et combien pour avoir. What? 267 milliards! Mais ils sont en train de se ficher de moi là! Bon, en tout cas, on aura réussi un niveau de bloc assez rapidement. On va passer au 22 avec Granita. Hop, encore des nouveaux blocs, c'est parti! Alors, ça y est, on commence à avoir les premiers minerais, les amis, ceux de charbon et qu'on détruit là, franchement, on va super vite. Donc, ça y est, la nouvelle pioche en fer est à nous. Alors, il reste encore un bloc. Hop, deux blocs, ok. Deux blocs, 267 milliards, c'est bon, je les ai. Et là, oh là là, les blocs! Ça va super, hyper vite, hyper, hyper vite. Et au niveau... Oh, mais c'est pareil pour eux, ça y est. Les amis, on peut réenchaîner et avancer le plus vite possible. On va passer au niveau 38 et il va y avoir un nouveau boss au niveau 40. Ah, ah, on est très bientôt à un nouveau boss. Donc, c'est parti, 38, on enchaîne. Et on recrute Jake. Salut Jake, qui va aller taper du bloc. Et il avance plutôt vite, franchement. Et nous, on va pouvoir immédiatement passer au niveau 39. C'est parti, encore un niveau avant le boss. Attention, qui est-ce que ça peut être? Je sais pas. Attendez, on va recruter un deuxième Jake. Voilà, Jake, il est trop fort.
fort. Il fait, oh là, il fait tellement de dégâts au niveau des trucs. Allez, c'est parti. Oh, c'est la sorcière. Oh oui, c'est bon, on va réussir à la battre. On va réussir à la battre largement. Et hop là, terminé pour toi. Oh, oh, on est au niveau de la forteresse, les amis. On a bien lancé, on a bien lancé. On va faire du bloc un petit peu. Tac, il faut combien, là? Pour la nouvelle arme, il me faut 5 milliards, d'accord, 6 milliards quasiment. 6 000 milliards, 6 000. En tout cas, nous voici arrivés sur les blocs de Lapis Lazulis, hein, que je one-shot pas encore, mais ça va très bientôt arriver. Il nous faut la hache, évidemment. Et ça y est. Nous voici à la hache et on passera alors juste après. Et alors là, ah, one shot pas encore, hein. Oh, ça va vite, hein. Ça va très très vite. On va pouvoir changer de bloc, évidemment, avec les minerais de fer. Pas mal, pas mal. On va retourner sur les blocs, voir un petit peu où ils en sont. Ah, mais oui, il faut aller plus vite là. C'est quoi ce délire? Enfin, je recrute des gens. Oui, c'est ça, on va pouvoir recruter Hill. Hill qui va faire beaucoup, beaucoup de dégâts sur les mobs. Ça y est, il peut venir. Hop là, bienvenue. Ah oui, là, il fait des dégâts un petit peu. Parfait. On a des pigmen jockeys, des zombies pigmen aussi, et des blaze maintenant. Oh là là, ça va qu'on leur fait extrêmement mal. Hein. Tiens, je vais même encore recruter un deuxième heal, histoire qu'il fasse plus de dégâts. Et on passe maintenant au niveau 44, on enchaîne bien. Attention, au niveau 45, il y aura sûrement un boss. Hein. Attention, suspense, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être? Ça va être un ghast, ça va être un ghast, ça va être un... Oh, c'est un ghast! Let's go! Et en plus, on va pouvoir le tuer du premier coup. Le premier combat contre le ghast aura eu raison. Vu que nous allons y arriver. Attention, c'est énorme. Par contre, là, il faut faire des trillions de dégâts. Hein, c'est abusé. Allez, hop, on le termine sans autocliquer. Ha, 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 ha. 46. Oh, oh, là, ça devient du sérieux, les amis. Et nouveau bloc maintenant. Les blocs carrément d'iron. Et là, c'est bon. On va pouvoir passer à l'or d'ici très peu de temps. Même si on prend de l'iron. Et tout ce qu'il nous faut, c'est 150 trillions de matériaux. Donc, il faut que j'en casse encore à peu près 100. Hein. Après, on va pouvoir passer donc au niveau 28. Et la redstone, enfin, elle est là. Et elle donne 4000 milliards de matériaux à chaque fois qu'on les casse. Donc là, l'épée est bientôt à nous. Alors attendez, parce que là, sans l'épée en or, ah ouais, je fais pas beaucoup de dégâts. Donc une fois que je l'aurai, on va retourner sur les mobs pour voir quels dégâts je fais. Mais attention, on va l'avoir d'ici 3-4 petits blocs. Oui, c'est ça, c'est bon. On l'a, les amis. La Gold Sword est à nous. On la débloque. Et la prochaine sera la pelle en or. Et on retourne sur les mobs. Et là, par contre, ah ouais, c'est reparti pour l'enchaînement incroyable qui nous permet de monter au niveau 47 et d'avoir encore peut-être de nouveaux mobs. Non, pour l'instant, il n'y a pas de nouveaux mobs. Mais on va avoir un boss dans 3 niveaux. Donc il faut qu'on se prépare. Par contre, là, mes employés, ils font pas beaucoup. Hein. Oh là, ils n'arrivent pas à avancer sur la redstone. C'est trop dur pour eux. C'est beaucoup trop dur. Niveau 49 maintenant. Et ah, ça y est, ça commence à être un petit peu plus dur. Mais ça va, on les dépense. Ah, mais j'avais pas vu, on a la possibilité de... Oh, mais voilà, j'ai recruté des gabs, là. Les gabs, ils font des dégâts sur les blocs, enfin. Ça nous permet d'avancer. Alors, attention. Nouveau boss, les amis, c'est parti. Oh, j'aurais dû m'en douter. C'est un Wither Skeleton que nous sommes en train de complètement défoncer. Franchement, on est en avance sur les niveaux. Ça va, on est bien, on est bien. Et voilà, il nous restait même plus de 10 secondes. 12 secondes pour être exact. Et on t'a démoli. Oh, les amis, j'ai l'impression que nous sommes revenus ici pour pourquoi pas faire un portail du Nether et aller dans le Nether. Ah mais là on y était déjà. Non, peut-être qu'on est juste venu ici pour aller voir le dragon. Hein. Alors c'est un autre portail. Hein. Au niveau des blocs, on a maintenant les redstone blocs. Oh, qu'on défonce aussi, hein, franchement. Et les minerais d'or enfin. Oh là, tellement long les minerais d'or, c'est abusé. Ok, je retourne sur les mobs parce que là on va pouvoir recruter Marcus qui va faire 480 trillions de dégâts sur les mobs. Hein. Donc alors Marcus, je pense que ton heure est venue pour toi de travailler chez moi. Hop, c'est parti Marcus. Ici et ah, ça fait pas énormément. Hein. Un niveau 54, plus qu'un niveau avant le prochain boss, évidemment. Et alors, on en est où là? Qu'est-ce que je peux faire? Ah, il faut que je recrute un autre Marcus, je pense. Donc, attention, Marcus, reviens avec moi. Et toi, tu vas nous faire des dégâts un peu sur les petits mobs là. Et alors, là, par contre, les amis, on va passer au niveau 55. On va voir le boss, mais à mon avis, je n'aurai pas cette puissance. Malheureusement, il va falloir encore farmer. Hein. Attendez, je reprends un Marcus. Parfait. Ah, là, allez, c'est parti. On va voir le boss. C'est parti. 24. Ah, non, non, ok. J'aurai pas assez de 30 secondes pour le battre. Hein. Ah non, c'est impossible. Ok, faut que je retourne sur lui. Bon, me voici avec 7 Marcus avec moi. Est-ce que ça va suffire à détruire? Ah non, 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 non. Ça va pas assez vite, malheureusement. Ah là là. Et si j'améliore mon épée en or, niveau 11 maintenant, est-ce que ça va être suffisant? Ah non, toujours pas. Hein. Oh là là, ça passera pas, ça passera pas. Bon, en tout cas, à force de travail et d'abnégation, nous allons arriver au prochain bloc. Ça fait un petit moment qu'on était sur l'or. Et nous débloquons maintenant, attention.
le gold block, j'aurais dû m'en douter. Et celui-là, à mon avis, va nous permettre d'avoir assez de matériaux pour avoir la pelle en or qui va vraiment nous aider parce que là, c'est hyper méga loin. Alors, je suis à 2914 matériaux, là j'en prends un. Ah, ok, ça me donne 300 à peu près, c'est pas mal. 300 trillons, évidemment, 300 trillons. Donc, allez, plus qu'un seul bloc, et à mon avis, on va pouvoir pas mal farmer les blocs juste après ça. Les 40 gold blocks, on va pouvoir les faire beaucoup plus rapidement. Attention, c'est bon, j'ai la pelle en or et oh ouais, ça y est, enfin, on accélère les choses. On va pouvoir foncer, les amis. Donc là, je me fais un maximum de matériaux, les amis. Attends, je vais remettre un coup ici. Ah ouais, mais ça y est, enfin, là c'est pas mal. Donc allez, on améliore ma petite épée en or. Et est-ce que ça peut nous permettre de tuer le boss? Ah, ça va être limite, ça va être limite. Attendez, attendez, pour être sûr, on va continuer à taper du bloc. On va continuer, on va même passer au bloc suivant. Donc alors, qu'est-ce que ça va être? Sûrement un nouveau minerai, et c'est celui des émeraudes que nous défonçons largement. Et on va améliorer, alors attendez, je vais encore améliorer ma petite pelle. Et il nous faut 118 quadrillons pour avoir la pioche. Ok, ok, on n'y est pas encore, mais de toute façon, là, tout ce que je veux, c'est surtout avoir plus de dégâts, donc on va pouvoir améliorer tout ça. Hop là, mon épée niveau 31, est-ce que c'est bon pour le Manticator? Oui, on va pouvoir enfin le battre, let's go! Ouh, eh ben, c'est pas mal, on va pouvoir passer au niveau 56, enfin. Et hop là, ok, allez, on va au niveau 56, nous avons des Vex maintenant et nous avons le village en feu derrière, évidemment. Mais là, il faudrait que je recrute des Marcus, je pense, hein. Ou alors, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais faire? Ouais, des Marcus, go Marcus, là, qui me permettent de taper les mobs un peu plus rapidement. Ou alors, on va retourner sur les blocs parce que j'allais... Ah oui, j'allais... Faut faire les blocs, là, on en profite. Tant qu'on fait beaucoup de dégâts aux blocs, vaut mieux taper des blocs. Donc après les minerais, on va avoir, évidemment, les blocs d'émeraude, évidemment, que nous one-shotons. Non, pas presque, mais enfin, presque, on va dire, enfin, un peu plus que ça, quoi, mais presque. Et on va très rapidement monter déjà au niveau 34 des blocs, mais surtout à la pioche en or qui arrive d'ici très peu de temps. Il me manque le double de ce que j'ai déjà. Alors, est-ce que j'aurai la pioche avant? Bien sûr que j'aurai la pioche avant. Et la pioche va être incroyable, les amis. C'est parti. Alors, c'est bon, on a débloqué le niveau 34. On a enfin les blocs de diamants. Ça ne rigole plus. Et pourtant, on arrive vraiment à les défoncer hyper facilement. Donc, ça, c'est génial. Et on va retourner sur les mobs, voir un peu si je fais beaucoup de dégâts. Et c'est le cas. C'est le cas, les amis. C'est le cas. On va pouvoir recruter une nouvelle personne. Ok, il faut 198 quadrillons pour avoir une nouvelle personne. Mais attendez, on a un nouveau niveau. C'est parti. Des verres. Des zombies villageois, des creepers encore, des zombies villageois. Ok, ok, tout va bien, tout va bien. Et ça y est, j'ai la possibilité de débloquer Gordon qui va taper les blocs beaucoup plus rapidement. Niveau 58 des mobs, dans ton niveau, nouveau boss. J'ai la possibilité de reprendre un Gordon, mais froid, je sais pas. C'est pour les blocs. Ouais, allez, on va le faire, on va en reprendre un. Parfait. Et allez, on passe au niveau 59. C'est parti. Les creepers et les amis, niveau 60, ça va être à mon avis un boss qu'on va sûrement allumer rapidement, je pense. À chaque fois, tous les deux boss, on arrive à les one shot. Si c'est le troisième qui est toujours compliqué, donc on perd. En tout cas, Gordon, il avance bien sur les blocs. Alors attendez, je vais même en mettre un autre. Voilà, comme ça va toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort. Et on va pouvoir découvrir le nouveau boss. Attention, petit squelette, indique-nous le chemin pour l'évocateur. Oh là 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 là, il est trop chaud, on pourra pas le battre. On pourra pas le battre, malheureusement. Non, 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 c'est mort. Ok, allez, tant pis. Il faut retourner sur les blocs. Il faut aller faire du bloc un petit peu. Oh oui, mais c'est vrai que les blocs, j'allais super vite. Alors attendez, Gordon, je vais en recruter un autre parce qu'il est efficace quand même, machin. Et on va avoir de nouvelles armes. On va surtout avoir un nouveau minerai. Enfin, plutôt le bloc de diamant en entier, je pense. Et il nous faut la hache qui coûte très, 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 très cher quand même. Hein. Allez, nouveau minerai, le 35e, le bloc de diamant. Évidemment. Oh, il est dur à taper celui-là. Oh, c'est abusé. Il est trop fort. Là, ça y est, j'avance plutôt vite sur les blocs de diamant. Regardez à la vitesse à laquelle je vais. En même temps, j'ai amélioré tellement de choses. J'ai amélioré toutes mes armes en vrai. Et ça y est, on peut passer maintenant. Qu'est-ce que ça va être, l'obsidienne? Ah ouais. Or, ça par contre, ah là là, ça va. En vrai, on lui fait beaucoup de dégâts, mais on est censé mettre beaucoup plus de temps que ça. On met moins de temps que dans Minecraft lui-même, quand même. Hein. Bon, et le boss, est-ce qu'on a... Oh, what? Les dégâts de fou, je le fais maintenant sur le boss. Oh, mais let's go. Ok, attendez, est-ce que je peux recruter quelqu'un d'autre? Oh, mais on les défonce. Et niveau 61, oh, ça y est, les amis, le portail de l'aile est en train d'être créé. Mais d'abord, il faut tuer tous ces mobs. Let's go. Bon, allez, il est temps de déverrouiller Booker, qui va pas mal nous aider pour les mobs. C'est parti. Allez, go, on va taper du spider. On va rentrer, les amis, dans l'end d'ici très peu de temps, dans 4 niveaux après le boss. Ah, ça va être le Weezer. Mais oui, ça va être le Weezer au niveau 65. On va se taper le Weezer. Ok, ok, on y va, on y va. On y va, on rechamp. Donc c'est parti, niveau 10. Enfin non, niveau 73, hein, plutôt. Niveau 10, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu, celui-là. Et on est très, 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 très proche de rentrer, les amis, afin de finir Minecraft en tuant l'Ender Dragon, si on y arrive, bien évidemment. Allez, temps de termine, temps de termine. On va recruter un nouveau Booker. Hop là, parfait. Et ensuite, ça sera John, hein, pour les blocs. Ok. Ouh. Allez, niveau 64.
plus qu'un niveau avant le boss, avant le Wither. Sûrement le Wither, c'est même sûr. Mais à mon avis, le Wither, ça va être trop compliqué pour le tuer du premier coup. Hein. Attention, le voici, le voilà. Le Wither que nous n'arriverons malheureusement pas à tuer maintenant. Ok, on retourne là-dessus et on va aller taper du bloc, je pense. Ça fait un petit moment que j'ai pas tapé du bloc. Alors attendez, je vais dépenser un petit peu tout ce que j'ai là. Voilà, j'ai tout ce que je peux, toutes les armes précédentes, etc. Et on va retourner sur les blocs. Et les blocs, ah, ça va, on avance bien sur les blocs. Hein. Et on va déjà pouvoir débloquer la hache en or, les amis, et passer au diamant après. Attention, la hache en or est déjà à nous. Et c'est maintenant. Let's go. Ok, on y est. On est au diamant. Plus que 123, quoi. Bah, oula, je sais pas. Là, c'est le Q majuscule. C'est quadrillard, peut-être. Je sais pas. En tout cas, l'obsidienne est complètement détruite. Et on passe maintenant à Netherrack. Bon, ça va, Netherrack, là. J'ai amélioré beaucoup d'armes et tout. Et franchement, elle se détruit assez facilement. Ça s'enchaîne bien. Ça s'enchaîne bien. Est-ce que je peux aller taper le Wither, évidemment? Pom, pom, pom. Trop facile. On va même en tuer un deuxième pour l'occasion. Rien à faire. Et on passe maintenant sûrement dans l'end. Attention, les amis. Là, ça ne rigole absolument plus. Ok, à mon avis, on n'aura que des Endermen là. Que des Endermen se trouveront dans l'end, évidemment. Et les amis, on est à 4 niveaux du dragon. Attention, fin du niveau 67 avec l'Enderman qui va tomber sous nos yeux ébahis. Et 68 et encore des Endermen, juste un peu plus grand, un peu plus fort. C'est pas grave, on va les allumer. Allez, je retourne un petit peu taper du bloc parce que c'est important et il nous faut l'épée en diamant, évidemment. Mais ça va être un peu long. Ou alors, il va vite falloir que je passe à un autre bloc parce que là, ça va être trop long. Donc, 38, on est à la seule. Là c'est simple, donc du coup on tape ça, on tape ça, il nous en faut 45 et ça rapporte pas assez pour avoir rapidement l'épée en diable malheureusement. Mais c'est pas grave, je vais améliorer toutes mes armes précédentes, voilà le maximum que je puisse faire sur toutes les armes. Je vais même aller améliorer ma première arme. Je vous rappelle qu'au début on a commencé à la main les amis, ah bah ouais, en même temps comme toute aventure Minecraft, elle se commence à la main évidemment, à moins qu'on ait triché ou quoi que ce soit, et ça y est, j'ai tout amélioré. Ah oui ça se voit, la salsane tourne très rapidement quand même. Hein. Donc je crois que le niveau des blocs maximal est niveau 40 et donc le niveau maximal. Même des mobs, c'est le niveau 70 avec le dragon qui va arriver d'ici très peu de temps. Et mon épée en diams, aussi mon épée en diams va arriver d'ici peu. Et juste avant, on va changer de bloc. On va changer de bloc pour avoir la Nether Break. Et la Nether Break, et là, me donne énormément, les amis. Attention, l'épée en diams, enfin, on va avoir un équipement de diamant. Après plus d'une heure de jeu, pour vous un peu moins parce que la vidéo est montée, mais moi ça fait plus d'une heure. C'est parti, épée en diams. Wouhou. Allez, on va taper de l'under. On va taper de l'under. Oh ouais, ah ouais, d'accord. On tape salement de l'under là. On va pouvoir se recruter John. Bienvenue John qui va aller taper du bloc. Et on continue à tout démolir sur notre passage. On passe au niveau 69, l'avant-dernier niveau, ou plutôt le dernier niveau avant le boss. Donc, autant vous dire que là maintenant, je prends tout mon air sérieux. C'est terminé les blagues. Attendez. Hop là. Je rajoute John quand même une fois. Comme ça, on a deux John avec nous qui vont taper du bloc. Des Nether Bricks qui sont en train de se péter. Attention, les amis. Le dragon est prêt à nous accueillir dans ses grands bras. C'est parti. Oh, oh mais oui, il y a moyen que je le tue, les amis. Il y a largement moyen. Ça peut le faire du premier coup. J'y croyais pas. Franchement, j'aurais jamais pensé que j'y arriverais. Oh là 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 là. Ça veut dire que là, nous avons terminer le jeu, vraiment, c'est ça. Allez, je le termine à la main, comme ça, c'est terminé, let's go. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est toutes les personnes que j'ai recrutées, what? Ah, c'était tellement stylé. Ah, on peut continuer de jouer. Ah, let's go, on peut tuer notre dragon. Ok. Oh, les amis, c'était incroyable. Alors, attendez, je vais recruter tout ce que je peux. On va essayer d'aller voir le dernier bloc qui existe. Et il s'agit, attention, de... le quartz, le minerai de quartz. D'accord, il y a peut-être d'autres items après. En tout cas, nous, les amis, on a terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu. Je vous laisse cliquer sur une autre vidéo qui s'affiche sur votre écran. Et bye tout le monde! C'est un jeu incroyable quand même, hein.